ça. Je vois de ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectons-nous, connectons-nous. Couvrez-vous, couvrez-vous. Le froid qu'il y a dehors. Le froid qu'il y a dehors n'a pas de nom. Couvrez-vous, oh, couvrez les enfants. Oh. Couvrez-vous, bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai même pris un mouchoir? Je n'ai pas pris de mouchoir, maman. Si mon nez commence à couler maintenant là. Oh, mais ça, je n'ai même pas pris le masque. Attendez. Yves Pongo, bonjour. Jodel Alice, bonjour. Je vérifie si j'ai pris les masques, pardon. Sinon, je ne vais pas aller entrer où je parle. Oui, j'ai les masques. Les masques obligatoires pour entrer dans les bureaux ici, là. Bonjour. Je fais ce petit direct pour m'adresser à certaines personnes. Les gens qui sont intimes avec Fleur de Lille. Les traîtres qui sont avec Fleur de Lille. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Si c'est seulement pour animer la haine et les clashs, beaucoup de filles sont déjà fatiguées des clashs là. Si vous avez remarqué, les filles là sont fatiguées des clashs. Elles vous ont servi ça pendant des années et des années. Et quand elles se rendent compte qu'après autant d'années d'injures, de caricatures, de dénigrements, leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, les parents, les mamans, les papas, ils sont passés. Et qu'elles se disent maintenant que finalement, celles qui ont décidé de faire la paix, elles ont fait la paix. Ça vous dérange. Parce qu'il n'y a plus de quoi vous animer sur la toile. Il n'y a plus où aller déverser votre haine. Alors, moi, je vais dire à ces gens qui entourent Fleur de Lille là, je pense sa famille, même pas sa famille, on peut aussi avoir des amis d'enfance qui nous connaissent dans la vraie vie et tout et tout. Vous qui partez chez Foufou, verser des rapports sur la vie de Fleur de Lille, ça vous apporte quoi, non? Vous gagnez quoi? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez déstabiliser Fleur? Maman, la jalousie de ça. Moi, je pense que je prends ça comme vous êtes juste jalouse de la fille de Trouille. Vous êtes jalouse. Choupi n'est pas son fils. Elle n'a pas construit. Machin. Maman, la jalousie peut vous tuer. La jalousie peut vous tuer sur la fille qu'on appelle Fleur de Lille. Et vous n'avez même pas honte. Moi, je vais dire à Fleur de Lille. Mafo, le jour que tu es au courant de qui balance ta vie dehors là, exhibe-la sur les réseaux sociaux. Tes abeilles vont s'en occuper. On ira déterrer jusqu'à la tombe de ses parents. Parce que c'est trop facile. Après, vous allez venir dire que oui, Fleur de Lille est méchante, elle a fait du mal aux gens, elle a fait ceci aux gens. Vraiment, vraiment. Hein? Le mal qu'elle a fait même aux gens là, je ne vois pas. Hein? Tout ce qu'elle a reçu là, vous ne voyez pas ça. Voilà ça. Moi, je dis, je ne peux même pas lui dire de laisser tomber. Parce que ça, c'est de la jalousie pure et simple. Vous partez raconter sa vie. Si c'est vrai ou si c'est faux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous connaissez le nombre de personnes qui ont ramené les enfants ici en Benke, ce ne sont pas la Mouna. On parle du même bain là. On va passer de l'autre côté, les gens sont en train de travailler là-bas. On parle du même bain. Vous connaissez le nombre de personnes qui ont ramené les Mouna ici? Que ce ne sont pas la Mouna. Hein? Est-ce qu'on parle du même bain? Mais c'est devenu même quoi cette histoire là? Que tout sur les réseaux sociaux vous venez déverser. Et après ça vous étonne. Ça vous étonne même après que les watts maintenant ne nous facilitent pas nos démarches. Ça vous étonne.
Que ce soit son enfant, oh, que ce ne soit pas son enfant, oh, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et les gens qui partent raconter ça à Foufou, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Fleur de Lys est toujours la numéro 1. Pendant ce temps, on est tous accrochés derrière pour regarder ce qui se passe. Vous avez dit l'autre jour que oui, elle veut seulement que c'est elle seule qu'on voit, que c'est elle seule qui doit dominer les réseaux sociaux, que c'est elle. Moi, j'ai posé la question que je ne vois pas en quoi. Est-ce qu'elle vous empêche de prendre vos caméras? Elle vous empêche de prendre vos caméras et faire des vidéos et vous faire connaître? Non, elle ne vous empêche pas. On ne peut pas être jaloux gratuitement, une jalousie malsaine. Je vous dis que c'est malsain ce que vous faites. C'est malsain. Portez votre téléphone. Allez vous asseoir chez Foufou pour raconter la vie de votre soeur. Vraiment. Les soeurs Bamileke de Flore qui font ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, ça ne vous avance pas. Vous n'allez jamais la détruire. Depuis le temps que beaucoup veulent détruire cette femme-là, n'y arrive pas. Vous n'allez jamais la détruire. Tout le monde a sa vie intime. Même comme on est sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas obligé de connaître nos vies intimes. Hein? Parce que depuis que vous avez commencé, Ko, ce n'est pas son fils. Ko, ce n'est pas sa maison. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Allez construire pour vous. Allez construire. C'est facile. C'est facile. Nous sommes en Europe, non? Nous sommes tous en Europe ici. Est-ce que c'est facile? Il faut mentir les gens du pays. Hein? Mais ici, entre nous, on ne peut pas se mentir. Moi, je dis toujours ici là que à Mbengsi, je sais qui est qui ici. Je sais qui est qui. Qui fait quoi? Qui travaille à la sueur de son front? Qui peut se dire ceci? Qui peut se dire cela? Ici à Mbeng, je sais qui est qui. Donc, mentez peut-être les gens du pays. Inventez-vous des vies que vous n'avez pas. Et racontez-leur des bobards si ça vous arrange. Mais à une comme Élise, une fille de Mbeng ne peut pas me dire quelque chose que j'ignore. Même si tu viens en me mentant, si je veux savoir ce que tu es, parce qu'il y a même le langage, celle-ci tu connais, tu la classe. La façon de parler, celle-ci tu la classe direct. Celle-ci tu dis tiens, pas mal. Celle-là tu dis oulala, ça c'est vrai. Mais sinon, hein, aux gens du pays, racontez-leur des bêtises. Laissez la fille de pays comme ça. Qu'on parle d'elle, c'est une chose. Moi, je suis contre les gens qui veulent nuire en parlant des enfants et des petits-enfants. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Si vous, ça vous amuse, moi, ça ne m'amuse pas parce que moi-même, je suis parent. Et je connais comment ici, là, à l'époque, on pouvait faire venir même 10 enfants. À l'époque, on pouvait faire venir même 10. Il n'y avait pas de problème. C'était tes enfants. Mais c'est quoi avec vous? C'est facile. Est-ce que c'est facile? Vous vous plaignez qu'on insulte vos enfants sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'exhiber vos gosses. Quand on aime son enfant, on sait. On connaît son parcours sur les réseaux sociaux. On sait que toi-même, tu n'es pas un enfant de cœur. Mais attends-toi à ce qu'on insulte aussi ta progéniture. Dans ce cas, tu caches tes enfants. C'est important de cacher ses enfants ou ses petits-enfants. Parce que ça fait mal. Aucun parent ne peut accepter qu'on insulte son enfant sur les réseaux sociaux et être content. Je dis ça. Aucun. Quand vous ne voulez pas ça, cachez vos gosses. Cachez vos gosses. Hein? Tu ne peux pas être clasheuse. Tu insultes les parents des gens. Tu insultes les enfants des gens. Tu insultes les papas des gens. Tu insultes les femmes qu'elles sont. Elles ont les ventres muets. Et tu crois que le jour qu'on peut aussi t'insulter, ne t'insulte pas. On te fait ça correctement et bien. Et ne viens pas te plaindre. Puisque toi-même, tu as l'habitude de le faire. Mais moi, personnellement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis Fleur de Lys, je n'ai jamais vu cette femme-là insulter l'enfant de quelqu'un. Quand les faux profils font ce qu'ils ont à faire, ce sont les faux profils. Les gens se mettent en faux profil pourquoi? Ils se mettent en faux profil pourquoi? Ils se mettent en faux profil pour nuire. Hein? Pour nuire. Voilà. Dans ce cas, il faut insulter les faux profils. Moi, je voulais faire ce direct ce matin-là en disant que je vous dis que vous qui êtes de la famille de Fleur de Lys, vous, ses soeurs Bamileke, vous qui vendez sa vie dehors, vous gagnez quoi? Hein? Vous gagnez quoi?
quoi? Vous gagnez quoi? Allez raconter la vie de votre soeur à une personne comme celle-là. Elle-même, un jour, elle va vous vendre dehors ici. Et je dis à Fleur de Lille que le jour que tu sais, mais qui sont derrière ça? Mets-les à la vindicte populaire de Facebook. Quoi? Quoi? Tu les mets ici. On va aussi décortiquer leur vie. On va aussi raconter ce qu'elles font en Europe. Mets-les à la vindicte populaire. C'est quoi? Hein? Ce n'est pas son enfant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est la première. C'est la première et la dernière à faire venir Mouna. Vous étiez là? Hein? Si ce n'est pas les gens qui prennent leur téléphone pour vous raconter la vie des gens au téléphone, comme ils n'ont que ça à faire, quelqu'un qui vient même raconter la vie de quelqu'un, je t'envoie paître. Je t'envoie balader. Je te dis non. Tu peux me raconter des conneries que nous tous on connaît ici, là, c'est une chose. Mais viens pas me parler de sa vie intime, si elle a accouché, si elle n'a pas accouché, tout ça. Le même truc que j'avais reproché à Œil de Cobra. Que ne viens pas me raconter des trucs aussi intimes comme ça ne m'intéresse pas. Le but de mes vidéos, ce n'est pas de détruire. Ce n'est pas de détruire. Nuire, oui, mais pas détruire. Vous encouragez les gens. Quelqu'un dit dans un live que oh, j'ai dit faux profil. C'est normal que la personne est malade. Vous savez le nombre de malades mentales qu'il y a sur les réseaux sociaux aussi. Même dans le monde africain, il y a des malades mentales. Hein? Il y a des... faut pas croire. Hein? Il y a plein là qui sont des paumés. Hein? Moi, je vous dis ça, je vis en Europe. Il y a plein d'Africains et d'Africaines ici. C'est des paumés. Je dis ça et j'assume. Leur vie. Non, ils n'ont pas de devant ni de derrière. C'est des paumés. Alors, quand quelqu'un est paumé et qu'il voit ta vie, que tu t'es démerdé, que tu t'es démerdé dans ta vie pour t'en sortir, comment veux-tu que la personne t'aime? Comment quelqu'un qui est paumé peut t'aimer, toi qui as réussi dans ta vie? C'est impossible. Hein? Et ces paumés-là viennent se cacher avec des faux profils, en créant des multiples faux profils pour venir nuire les gens. Et vous applaudissez ça, vous êtes content. Quelqu'un t'appelle pour raconter la vie de Flore. Hein? Tout ce que tu racontes là, que ce soit vrai ou faux. Mais qu'est-ce que ça a à foutre? Tu pourrais dire, quelqu'un d'intelligent va dire non. Moi aussi j'ai des enfants. Moi aussi. Apprenez à tenir vos langues déjà d'abord. Ce n'est pas tout ce qu'on dit aux gens. Hein? Ce n'est pas tout ce qu'on raconte aux gens. Comme maintenant, vous avez mieux de vous, vous avez des amis. FP. Les amitiés des faux profils de ça. Tu ne connais pas quelqu'un. Quelqu'un est sur les réseaux sociaux en faux profil. Oui, ça devient ton ami. Ton ami intime. Merci. Moi, j'arrive bientôt où je pars parce que je dois aller chercher le poisson ce matin. Et je voulais dire ça ce matin parce que je suis écœuré. Je suis écœuré. Oui. Je suis écœuré. Donc, comment? C'est quoi? Vous vous cachez. Vous croyez que vous êtes caché? Vous croyez que vous êtes caché? Hein? Vous croyez vraiment que quand vous racontez souvent la vie des gens, vous connaissez quelqu'un dans la vraie vie. Vous la connaissez depuis l'enfance. Vous la connaissez son village. Vous êtes du même village. Vous êtes du même quartier. Vous avez grandi ensemble. Quand tu te lèves, tu vas raconter la vie de quelqu'un à un détracteur. Tu t'attends à quoi? Tu gagnes quoi? La honte de ça. Donc c'est ça votre vie sur les réseaux sociaux. Passez par derrière, raconter la vie des gens. Hein? Passez par derrière, raconter la vie des gens. Oh, ce n'est pas son enfant. Elle n'a jamais accouché. Oh, oh, oh. Oh, c'est son petit frère. Oh, 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 oh. C'est parce que les choses sont dures maintenant. C'est parce que nous-mêmes, on a tout gâté nos trucs. Maintenant, les Watts connaissent beaucoup de nos choses. Est-ce qu'avant, c'était difficile? Je te dis qu'avant, les gens faisaient venir même 10 enfants. Tu alignais 10. Ils venaient tous. Hein? Maintenant, vous avez vous-même tout trahi avec vos longues bouches. Vos méchancetés gratuites. A écrit aux préfectures. Voilà votre travail. Le travail de l'homme noir en Europe. Heureusement que Choupi est déjà français, lui. Sa mère est française. Voilà votre travail en Europe. Écrit aux préfectures. Pour nuire à vos consoeurs, juste parce que celle-là te dépasse. Tu te mets, tu écris. Pour nuire. Maman, la malédiction de ça, ça va vous poursuivre. Si tu es paumé un jour, paumé toujours. Hein. Paumé un jour, paumé toujours. Je le dis ça et j'assume. Et vous n'allez pas changer la vie des gens. Ceux qui se sont battus pour réussir. Vous n'allez pas changer leur vie.
Je vous dis ça, c'est déjà fait. Ça a été écrit et réalisé. Donc, mourrez, buvez même la rate à chop d'ail. Buvez la rate à chop d'ail. Parce que vous voyez la vie de la fille de Mahana briller. Pouvez-vous tuer? On est venu tous fumer le départ en Europe. On est venu tous fumer le départ en Europe. On est tous venus ici pour fumer le départ. Merde alors, il y en a qui sont venus ici, ils ont leur raison. Hein? Quand vous arrivez en 2000, voilà l'aube de 2022. Faites le bilan de vos vies. Faites le bilan de vos vies 2021, tu vois. Faites le bilan. Oui. Pas le bilan facebookistique. Hein. Faites le bilan de vos vraies vies, vous-même. On voit qui a fait quoi. Cette année qui finit ici, nous sommes déjà en décembre, bientôt mi-décembre. Vous avez fait quoi dans vos vies? Vous avez réalisé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de concret dans vos vies? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce que vous avez commencé, que vous avez pu finir? Vous emmerdez les gens. Tu prends ton téléphone, tu appelles. Oh, comme tu vois là, ce n'est pas sa maison, c'est la maison de son frère. Oh, elle discute même la maison là avec son frère. Comme tu vois là, Choupi n'est pas son enfant. Oh, elle n'a jamais accouché. Mais dis donc, que ce soit vrai ou faux, on n'en a rien à cirer. Ça n'empêche pas qu'elle reste numéro 1 et que vous l'enviez tous. Tout le monde envie Fleur de Lys sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'envie. Tout le monde l'envie. Mais il faut savoir comment s'y prendre pour peut-être pour t'approcher d'elle. Vous l'enviez vous tous, dis donc. Jalouse, bah. Même les hommes, même les jaloux et les jalouses. Jalouse, la jalousie peut vous tuer. Peut vous tuer. Bande de paumés, bande d'aigris, bande de jalouses. Hein? Elle vous a envoyé. Hein? Est-ce qu'elle vous a envoyé? Comment elle est soeur? Est-ce qu'elle vous a envoyé? Tu dors ta vie. Voilà vraiment qu'on peut dire que voilà alors une benguiste qui peut taper sur sa poitrine. Que oui, j'ai fait. Bien sûr, je n'ai pas fait comme tout le monde, mais j'ai fait pour moi. Oh, ah. Montrez pour vous aussi. Montrez. Vous allez même montrer. Il y a beaucoup qui montrent ici. Qui est au courant de vous? Qui est au courant de vous quand vous montrez même? Qui est au courant de vous? Vous cherchez même que quelqu'un vous félicite. Sur les réseaux sociaux, si qu'on vient vous féliciter. Quand vous montrez pour vous, même 5 likes, il n'y a pas. Pourtant, vous avez des amis. D'autres, même leurs publications sont publiques. Même 5 j'aime, il n'y a pas. On a merdé l'enfant de tout. Co. Ah, on va te sauver qui comme ça là. On va sauver la vie de qui comme ça. On a merdé les gens, dis donc. Laissez les gens respirer. Bande de paumés que vous êtes, bande de rate. L'Europe. Vous avez vu l'Europe à tout prix. Voilà alors l'Europe. C'est facile. Mamie. Fleur de Lys, dors longtemps dans ta maison. Ouah. Celui que s'énerve. Celui que s'énerve vient arracher, jeter ça au sol. Hein? Celui ou celle que s'énerve beaucoup là, jette la maison là au sol. On voit. Maman, la jalousie vous appelle mon père, ma mère. Je n'ai une race vraiment maudite. C'est nègre. Hein? C'est noir. Une race maudite. Tellement jaloux et jalouse. Mais vous croyez que moi je peux perdre mon temps à jalouser quelqu'un? Je ne sais pas jalouser quelqu'un. Hein? Je sais me rivaliser à quelqu'un. Oui, dis que je te rivalise, oui. Mais dis que je vais te jalouser parce que tu as et que je n'ai pas encore. Ça, c'est pas dans mes gènes. L'aigreur de ça, je vous laisse, hein, je m'en vais passer les commandes. Ce qui est sûr, c'est ça. Arrêtez ça. Et je dis à Flore, ma faux, le jour que tu as la tête de la personne qui parle trop, de ta vie là. Amène-la nous sur les réseaux. Amène-la nous, même moi-même si je vais la clasher. Même moi-même, je vais bien l'insulter. Amène-la nous sur les réseaux sociaux. On va la déchiqueter ici là. Elle va confirmer le code. Vous êtes là nombreux. Quand on vous rôle, vous fuyez Facebook, non? Vous changez de nom. Vous changez tout. Vous fermez vos Facebook, non? Attendez alors. Maintenant, on va vous traiter comme ça. Ce ne sera pas autrement. On ne s'amuse pas avec des traîtres. Les traîtres doivent être traités comme il se doit. Je cherche mon masque. Les traîtres doivent être traités comme il se doit, sans pitié. Le message est passé. Elle va m'écouter, elle va écouter mon live.
d'accord. Eh bien, écoutez mon live. Dis que la personne qui s'amuse à aller parler de ta vie intime, parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on t'emballe les cahouettes. Mais intime, demande qu'on nous la livre et qu'on vienne la livrer ici à la vindicte populaire. Tes abeilles vont faire, moi-même si, je vais la laver. Je dis que je vais la laver ici. Ça commence à bien faire là. On vous a déjà dit que faites vos bêtises, ne touchez plus aux parents, aux enfants et aux petits-enfants, vous ne comprenez pas. Toi-même, tu insultes les enfants, les gens tous les jours. Tu viens, tu exposes pour toi, juste pour qu'on en parle, pour qu'on insulte. Et tu crois que les gens vont te faire des cadeaux. On aime sa famille, on la cache. Si on ne peut pas supporter ce qu'on fait aux autres, on cache ses enfants. Si on ne peut pas supporter ce qu'on fait aux autres, on cache ses enfants. Quand on prend tout à la légère, même ses propres enfants à la légère, même ses propres petits-fils à la légère, Fleur de Lys est grand-mère, une deuxième fois. Pourquoi on ne voit pas son enfant? Pourquoi on ne voit pas le petit enfant là? Vous aimez entendre. En bon entendeur, salut, bonne journée. Il neige même déjà, maman. Il neige. Je vais d'abord demander si je peux retirer. Bonjour. Bonjour. C'est possible de retirer un monogramme? Oui, combien? Je crois que c'est 65 euros. Oui, on ne va pas sentir la dame. Merci. J'attends. De toute façon. Oui. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Alors, ça va. Tu es contente d'être dans ta nouvelle maison? Oui. Tu as de l'espace. Hein. Content, oui. Ah, tu dors bien, regarde. Bien. Tu as bonne mine. Oui. Bonne journée. Aussi, voilà. Réception monogramme. Oui. Il faut oui, je vous la donne. J'ai mon passeport, ça dérange pas. Ah bah moi une pièce d'identité valide, moi n'importe laquelle. Bah, ok. Je vous laisse, j'ai mon code dedans. Bonne journée.